Et notre tout premier intervenant en plateau dans le cadre de ces élections, le député Moïté Broderson. Yorana Yorana et Yorana à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes donc euh, tête de liste pour le Tavini Huit Atira dans la section 4, qui englobe le, les Rarumatei, mais également le candidat du parti indépendantiste à la présidence du pays en cas de victoire. Alors, Mouitei, passé l'effet de surprise de votre candidature à la présidence du pays, à la place d'Oscar Temaru ou encore d'Anthony Géros, est-ce que vous incarnez aujourd'hui une marche à grands pas vers le rajeunissement du parti Or, je pense que ce rajeunissement, il a déjà été euh, annoncé lors des législatives. On a quand même placé le plus jeune député de l'histoire de la République. On l'avait déjà fait, on avait mis le plus jeune sénateur de l'histoire de la République vrai. en 2008 avec Richard Touréira. Donc, vous voyez, ce n'est pas une nouveauté au Tavigny euh, euh, de mettre les jeunes en avant. Ce n'est pas du jeunisme, mais c'est réellement croire en la jeunesse. Mmh. Euh, donc, le, le, ça le... se voit sur la liste des territoriales du Tavigny. Sur la, la liste Tavigny. qui a été déposée, effectivement, nous avons beaucoup, beaucoup de jeunes. Euh, à des places éligibles, nous avons voilà nous avons voulu mettre la jeunesse en avant parce qu'on y croit. Euh, donc cette décision de me placer candidat à la présidence, c'est vrai qu'au début il y a eu on va dire un peu des des, des grincements, hein. c'est normal, c'est dans la vie d'un parti qui est, qui date de 77, euh, les choses évoluent à un rythme voilà il faut parfois un peu Bousculer les lignes, c'est ce qui a été fait, mais avec tout de même beaucoup si de respect. Sans sont, sont maîtriser, notamment avec aussi le remplacement de d'Eliane Tevahitoua sur, sur la liste du Tamini les tensions, aujourd'hui, on peut dire que sont apaisées Alors, les tensions sont apaisées. Euh, vous savez, des personnes de qualité oui. euh, comme Eliane Tevahitoua, euh, on peut les retrouver à l'Assemblée, on peut les retrouver aussi au gouvernement. Oui. Alors et vous avez aussi affirmé lors du congrès du Tavini -Hu Atira que vous seriez le président de tous les, les Polynésiens en cas de, de victoire et qu'il faudra tra travailler avec le gouvernement français. Euh, est-ce à dire que vous allez aborder la question de, de la pleine souveraineté de Mao euh, différemment d'une autre manière ou est-ce que vous allez garder, maintenir le cap le cap est toujours le même, et en fait, la méthode pour y arriver, c'est toujours celle qui est inscrite dans le statut, finalement, du Tavini depuis 1977, à savoir l'accession à notre pleine souveraineté par tous les moyens démocratiques et légaux, sans aucune violence. Donc, l'indépendance ne sera jamais imposée, elle ce sera un choix que les Polynésiens feront ou ne feront pas à l'issue d'un processus d'autodétermination. C'est ce pourquoi nous nous sommes battus aux Nations, aux Nations Unies, c'est ce pourquoi nous avons obtenu la réinscription en 2013. Euh, ne manque à la table des négociations pour l'instant, depuis 2013, que l'État qui se réfugie justement derrière le fait que l'exécutif polynésien n'est pas tavini euh, Atila. Euh, demain, quand nous gagnerons ces élections, l'État n'aura plus cet argument. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit de mettre en place un processus équilibré d'autodétermination. Nous n'allons pas demander à l'ONU l'indépendance. L'organisation de référendum d'autodétermination. Il y aura forcément un acte d'autodétermination à la fin de ce processus et ce sont les Polynésiens qui choisiront. Oui, continuons. On va parler de votre programme. Quels en sont les grands axes On parle de logement, de la lutte pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Vous savez, plutôt que de faire la liste du Père Noël ou le catalogue de la redoute, nous nous avons voulu avoir un programme qui soit structuré autour de trois mots importants Fatoula, le respect, respecter. Fahoula, nous n'avons pas fait une traduction littérale, puisque nous avons pour nous Fahoula, c'est soutenir. Et Fatoupou. Bâtir. Euh, C'est vraiment autour de ces trois concepts que nous avons articulé l'ensemble de nos mesures. Et la première est très importante parce que je crois qu'aujourd'hui, la crise, elle n'est pas qu'économique. C'est avant tout une crise de respect. Nous avons vu ces derniers mois, ces dernières années, euh, le gouvernement manquer de respect au peuple. Nous avons vu le gouvernement manquer de respect à l'Assemblée avec un président qui insulte les représentants de l'Assemblée. C'est plus possible. Il faut aussi qu'au sein de l'Assemblée, on retrouve une forme de respect. Euh, un respect de la minorité. Il faut que les minori la minorité soit représentée dans toutes les commissions internes, externes, dans les conseils d'administration. Il faut également que l'Assemblée, en recherche de respect, vous savez, certaines listes pré euh, préconisent une diminution du nombre de représentants. Je crois que les, les Polynésiens ne cherchent pas réellement une diminution du nombre des représentants. En revanche, ils veulent que les représentants bossent. Aujourd'hui, 95% des textes qui sont examinés à l'Assemblée sont issus du gouvernement. L'Assemblée est réduite à une chambre d'enregistrement de ce qui arrive du gouvernement. Nous, nous voulons qu'il y ait demain 50% au moins de textes qui soient issus de l'Assemblée. Ça veut dire une Assemblée qui bosse. Alors, euh, est-ce que vous prévoyez également une refonte de la fiscalité ou de taxer les plus riches alors il y a une refonte de la fiscalité qui est obligatoire. Euh, les grandes masses, les, le tissu économique, le contexte mondial a évolué. Euh, nous avons à la base un système fiscal qui est inéquitable avec une majorité de taxes indirectes, très peu de taxes directes et donc progressives et proportionnelles. Il faut euh, donc rééquilibrer ça. Et euh, notre volonté n'est pas de taxer les riches. On, nous, on ne fait pas de... On n'a pas cette culture un peu franchouillarde qui consiste à, à, à détester les riches. Non, c'est pas ça. Les riches, enfin les, les personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et qui ont bâti euh, de grandes sociétés, sont des personnes respectables et ce sont des Polynésiens qui aiment leur pays. Nous, le message que nous leur envoyons, c'est de dire nous voulons vous donner la possibilité, au travers de la fiscalité. De faire plus d'investissements productifs, c'est oui. ça que nous voulons, nous voulons faire. Vous avez aussi l'intention, comme euh, un peu les autres listes en course, de faire retirer la TVA sociale. Il euh, y a d'autres projets également où vous vous rejoignez avec les autres listes. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre vous et ces autres listes Alors moi, j'ai toujours dit une bonne idée n'a pas de couleur. Et effectivement, bon, pour, sur la TVA sociale, son retrait, du moins, je crois que toutes les listes sont d'accord, sauf une, celle qui a mis en place la TVA sociale. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence il faut, Demain, il faudra les, les professions de foi vont être distribuées, il y aura des meetings où chacun va aller détailler ses programmes, des personnes vont venir vous voir chez vous pour euh, vous égrener un peu toutes les, les mesures que chacun propose. Euh, Au-delà du programme, il faut aussi vous, se poser la question de qui... Qui va porter ce programme demain Qui va mener le gouvernement demain Et c'est un élément déterminant. Merci beaucoup, Moïté Bruderson, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Oui.